Bon, pour une fois, je vous ai passé les détails du Fresh Wipe, un début de wipe en solo plutôt classique avec un peu de farm et un peu de PVP. J'avais également créé une base surtout pour résister au Redon car vous allez voir, je vais en avoir pas mal besoin dans ce wipe. Je m'avais également fait déjà pas mal d'ennemis et il fallait donc que j'obtienne un maximum de ressources pour progresser. J'avais les bugs explos et mon objectif était de raid afin de récupérer un maximum de ressources. Je savais à plus de 100% que dans ce wipe là j'allais me faire raid. Il y avait pas mal de français en plus donc j'avais de grandes chances que mes voisins soient des ennemis. Et je vais pas perdre une seconde. Putain, s'ils sont cool. Oh, c'est porte en bois. Putain, c'est une base trap ou quoi? Fait chier. Oh les gars, je crois que ça va partir. Ils ont pas de sas. Allez, on part sur ça. C'était pas censé, s'ils sont co, c'est tant pis pour moi. Je l'attente. Ok. Ma LR, elle est bien quand même niveau HP. Le seul problème là, ça va être mon silencieux. Hein. Il est déjà low. Faut que je fasse très gaffe. Ok. Au shotgun trap. Oh, ok, je vais aller save ça les gars. Je suis obligé. Ah quoique, putain, qu'est-ce que je fais? Non, faut que je pète vite. Faut que je pète vite. Surtout vite péter. Mais tout est vraiment full open. Faut que je fasse gaffe, hein. Je crois que c'est en bas. Je crois qu'il faut... Oh putain, les gars. Je crois que le stuff est en bas, non? Non, il est pas en bas. Soit là, soit là. Je pense que... Ok, non, il est là. Faut que je me dépêche vraiment, vraiment, vraiment vite. Mais wesh! Mais où est l'armoire? Allô? Oh, j'ai pété là, mais tout était là. Où est l'armoire ici dans cette base? Ah, faut que je pète le sol peut-être. Je comprends pas. Ok, on essaye. Déjà, premier aller-retour, safe. Nice! Let's go, let's go, let's go, let's go. Faut que je me dépêche. Parce qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a eu un raid ici. Là, je vais quand même aller redéployer une dernière fois. Ok, il y a de la pioche. Oh, ok. Oh, j'avais pas fait gaffe. Ok. Oh, 8 balles explos. Oh, j'avais pas fait gaffe là, ici. Ok, nice. Une satchel. Attendez, une satchel, c'est pas assez pour péter. Pour péter ça. Attendez. Oh, je crois que j'ai assez. Attendez. Je pense que j'ai assez. Combien d'HP? 30. Ok, c'était large assez. Oh, mais elle est vraiment nice leur base. Ah putain, j'ai pas assez par contre ça. Ok, il manque. Je vais pouvoir la péter à la... au truc. Oh, du coup, attendez, je vais déposer ça. Je vais déposer les pioches. A mon avis, leur armoire est bien. Ok, elle a pété. Il y a quoi dedans? Oh lolololo, nice niveau métal. 462 scrap. Ok, le bois. Allez, vas-y, on va vite bouger. Là, faut vraiment que je bouge vite. Ils étaient quand même pas mal dans leur base. Hein. Il y a 4 bagues ici. Allez, on va vite bouger. Hop. Je venais donc de faire les allers-retours pour safe un maximum de stuff. Je venais aussi de mettre une porte afin de m'approprier la base. Cependant, je n'avais pas refermé le toit et des gens vont tenter d'y accéder. J'avais déposé ma LR et tout le stuff. Et je décide d'y retourner cette fois-ci Tommy afin de pouvoir jouer plus facilement au cac et pouvoir les pêcher. Il y en a full dead. Oh, ils sont 3, ok. Oh, ils sont 3. Ok, 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 va falloir que je gère. Faut pas qu'il le relève, l'autre. Là, je vais me push derrière, je suppose. Ok, un mort. Putain, mon atome, il va péter. Il est où? Que j'ai mis une belle tête. J'espère qu'il y a du soin lui. Ça va être difficile hein. Ah putain! Je perds pas une minute de plus et je décide d'y aller directement. Je sais qu'ils sont à l'intérieur, j'ai fait également des grenades afin de pouvoir les lancer et je vais leur faire un bait digne des plus grands. Vous allez voir. En train de piocher. Let's go. Regardez ce que je vais faire. Ils ont mis une porte je suppose. Le problème là c'est que ils ont une putain de visu. Mais là c'est de la mort assurée si je descends. Hein.
J'ai touché. Ils m'ont pas entendu ou quoi? Ils sont plusieurs. Oh, ils sont des deux. Ils m'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'ils me font, mec? Pourquoi ils piochent là? Il y a quelqu'un. J'ai la position de toute façon. Oh, la crue que je leur ai mis. Il y a le mec semi, c'est sûr à 100% qu'il y a le mec. Voilà, c'était sûr. Il y a une vraie pompe. Ça, c'est un vrai pompe qu'il a. Mais là, le problème, ça va être très compliqué pour moi. Faut que je referme en fait. Oh, ils sont beaucoup, hein. Ils sont encore deux dedans. Ok, j'ai l'info au moins. Ok. Qu'il a pas de jump, j'ai cru. Putain, faut que je m'heal. Faut que je le joue dans tous les cas. Ok, il est mort. Il était au pipe. Allez, on bouge. J'ai géré. Bon, après avoir tout safe, du coup, je décide d'y retourner au Beretta. Et vous allez voir qu'ils avaient totalement pioché pour rien. Je décide de partir. Et puis, à partir de ce raid, je m'avais déjà fait des ennemis. J'avais auparavant analysé une base sur l'île près de chez moi. Et il me restait encore pas mal de balles explo. Je perds pas une minute. Et je décide directement d'enchaîner avec un autre raid qui risque cette fois d'être en haut. Ok, raid. Je me suis posé mon bac ici. Ils ont pas l'air d'être cool. Le truc c'est qu'ils ont des portes de garage. Portes de garage c'est 150 balles explos. 50 balles explos, j'ai vraiment pas la possibilité de le faire. Cependant, je peux péter par exemple. Ah, c'est sûr qu'ils ont des unicons. Hein. Ok, faut que je pète là du coup. Ok. J'ai un peu la visu à peu près. Ici. Ouais, c'est à peu près là. Let's go, on va tenter du coup les gars. Ok, premier wall pété. Oh, c'est du métal les gars, c'est mort. J'aurai jamais assez. Ok, y'a un mec qui dort là. Oh Tommy, nice. Ils sont full à mon avis. Hein. Ils sont vraiment vraiment full. Y'a pas de. Par exemple de porte. Fichier, y'a pas de porte les gars. Je sais pas si j'ai assez pour les péter. Hein. J'ai quoi? Non, j'ai pas assez hein, les gars. Bon, il me reste un mur à péter, j'ai probablement tout le stuff. Je décide d'aller farmer un maximum de souffle pour pouvoir refaire des backsplos et péter le dernier mur. J'ai donc tout déposé à ma base et je suis parti farmer. Pas d'achat frérot. Pour le cactus. Trop long. Il est pas mort. Ok, il est mort. Il y a son mate. Ok, il y a son mate juste là. Ok, il est headshot. Ok, il est mort, nice. Ok, je l'ai calé là le cheval. Bon, ils peuvent rentrer, tant pis. Ah, c'est capté, mais bon, tant pis. Ok, bon. Du coup, on y est. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'à mon avis, c'est soit là. Hein. Le stuff. Oh là 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 là, c'est compliqué. Des décisions très compliquées à prendre là, les gars. Il va falloir que je pète là, les gars. On est parti. Ok, ça a pété, j'ai l'arme. Oh, j'ai tout. Est-ce que. J'espère que c'est par ferme. Oh, ça a l'air d'être insane. Ok, l'armoire n'est même pas enfermée. L'armoire n'est même pas enfermée. Faut que je. Faut que je me dépêche. Faut que je craque une satchel là. J'ai tout pour fermer. Ouais, j'ai tout pour fermer. Dès que ça pète, je ferme. C'est safe. Let's go. Putain, les gars, on y est arrivé. On est safe, ok, on va pouvoir vous looter tranquillement. Et à mon avis. À mon avis, il y a beaucoup, beaucoup. Par contre, il y a encore une salle ici. Hein. Il y a encore une salle ici, est-ce que j'ai accès? J'ai pas accès, il y a encore une salle à mon avis. Elle est insane. Ok, on va voir l'armoire. Peut-être qu'il y a de la gun. Oh lolo, de la gunpo, nice. Il y avait une T2 en haut, est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux pas. Ah non, il n'y a pas de T3, du coup, je pourrais pas. On est nice. À mon avis, est-ce que. S'ils ont des scraps, j'apprends la satchel et je fais tout ici. Faudrait que je puisse faire tout ici en fait. Le raid commençait très bien mais il manquait des loot rooms. Je fais donc un premier aller-retour et craft des balles explos pour péter les dernières portes qu'il me reste. Et vous allez voir que les choses vont se gâter. Ah, quoique ici tu vois. Mais oh là là, bon on va péter, on verra. Ah, je fais des dégâts. Je fais des dégâts sur un mec. Je fais des dégâts sur un mec, ok. Putain par contre.
Oh les gars, putain, on a fait le jackpot. Si c'est ça, du coup à mon avis là c'est pour monter. Là c'est pour monter, là c'est encore une salle des coffres peut-être. Oh oui, oh que oui. On avait raison, enfin on a tous raison. Ok, mais il y a toujours pas tous les compos. Il y a toujours pas tous les compos, va falloir refarmer les gars. Enfin recrafter. Oh non. Il manque hein. Il manque clairement. Je peux piocher. Oh putain, je peux piocher. Ouais mais non, pas piocher ça. Je peux pas piocher ça. Tout. Je vais faire mourir avec l'atomique avec mon AK. Faut que je fasse attention tout de même. Il est mort. Oh! Il est quoi? C'est le mec de la base, mais what? Il me faut l'échelle. Oh, s'il ouvre là. Allez, ouvre! Allez, let's go! Ok, on sait c'est où du coup. On sait c'est où. Merci beaucoup du don. Ok, on sait c'est où. Ok, il était là, il a spawn là. Oh, c'était peut-être le mec extérieur du coup. Faut que j'y griffe au-dessus. Faut que j'y griffe au-dessus. Ok, c'est là. 100% c'est là du coup. Il pourra pas se boost de toute façon, il est solo. Il a fait l'erreur de sa vie. Je vais pouvoir aller transférer tout maintenant. Et me dépêcher d'y aller. J'espère que je vais savoir conduire les gars, je suis vraiment nul là. Allez, faut espérer que je sache conduire. Faut espérer que je sache conduire. Let's go. Oh putain, oh putain. Oh, il y a pas crash. Il y a crash. Oupsi les gars, désolé, je sais pas conduire. J'arrive juste à conduire le gros moi. Bon, pour le coup, j'arrive pour la troisième et dernière fois à aller chercher des bas explo pour que je puisse enfin finir le raid. Et on est parti. Je m'en fous du silencieux parce que je suis safe. Hein. Et je prendrai cette base comme seconde base. Ah mais ça redescend. Et du coup, ça mène à là, ok. Oh, il y a du souffle quand même. Et du coup, les gars, j'ai tout eu. Hein. Les raids m'avaient donc mis plutôt très bien, et si je voulais tenir la nuit, il fallait à tout prix que j'up ma base, et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, Magnum et Tom avaient également rejoint le serveur, cependant, ils avaient leur base et moi la mienne. On avait juste décidé de se faire l'Olyrique ensemble, car énormément de teams la faisaient, et ensemble, on avait plus de chance. Il part, SMG, SMG part. Tuez-le, tuez-le. Ah, tuez-le. Il est mort. Ah tu as petite mort. Nice. Putain nice, il y a des balles. Vas-y, non mais t'inquiète. Non t'inquiète, je saurai le déposer. Non mais je suis tombé dans l'eau, je monte à l'échelle. Oh putain merde. Nous on est tout en haut. Il y a un bot avec des trucs dedans. Je me sprint AK les gars, AK sur moi, je me sprint dead, je suis pas mort. Il faut pas qu'il me pêche hein, Magnum. Ouais. T'inquiète. Ok, donc Magnum, tu vas pouvoir aller. Ils savent pas que tu vas venir d'en bas, Magnum. Hein. Je vais tirer de l'autre côté, alors reste sur celle-là. Là. Mort. Destroy complet. Je descends aussi, Tom. J'ai une MP5. Pardon, tu... Oh, ce qu'ils ont, putain. Zéro. M39 PT, Tektra, y'a que de la merde. Vraiment que de la merde. Un counter d'Olric qui m'a mis très très bien, mais vous allez voir que les choses ont commencé à se compliquer. J'étais donc en live et une team a commencé à me camper, c'était donc des FR, et ils étaient à la fois sur le serveur et sur le live. Ils ont décidé de me camper, mais ce n'est pas tout, ils s'amusent également à insulter, créer des panneaux avec des croix gammées, près de ma base. Bref, une belle bande d'imbéciles. Mais le problème est qu'ils étaient 4 et moi solo. Cependant, c'est des 4 bots, moi je décide juste d'appeler Tom qui puisse venir par derrière pour m'aider. Je savais que ça allait durer pas mal de temps, mais on décide de les déglinguer. Fais gaffe. Headshot. Hit. Je suis mort. Ils le relèvent. Hein. Il y a moyen. Hein. Oh, il y en a 2 morts là. Il y en a encore un dans l'eau. Non, 3ème mort. Tu l'as tout su, gros. Vas-y, nice, GG. GG, vas-y. Ouais, c'est pas Magnum, c'est Tom. Vas-y, loot-le. GG, merci, mec. Je pensais être en sécurité, j'avais même AFK quelques minutes, puis en revenant, j'ai entendu build en métal près de chez moi, et je savais que ça sentait pas bon, que le raid allait arriver. On me raid.
Ok, on me raid, putain, merde. J'espère qu'ils sont pas beaucoup, putain de merde. Allez, let's go, Zach. Ok. Ok, raid par derrière, carrément. Ok. Let's go, my bro. Va falloir que je gère. C'est parti. Essaye de venir avec du... Ils vont galérer. Ok, ils sont semi. Ok, c'est prêt. Ok. J'améliore en blindé. Tout ce que j'avais à améliorer. Nice. Ils vont galérer en raid. Le seul problème, c'est que je peux pas me défendre, ils ont des tours à l'extérieur. Il fallait que j'agisse. Je décide de me déstuff, laisser mon stuff AK au cas où je meurs pour essayer de carrer la défense. Un mort ? J'ai AK, full stuff. Ok, ça c'est mis là. Faudrait que je mette... ok, faudrait ça. On va tenter quelque chose. Ok, le trou il est là, faut que je referme. Je sais pas ce qui pète. Ok, un mort. Encore un mort. Ok. Ok, deux morts. J'ai toutes leurs roquettes et tout. 96 bytes flow. Oh, je suis un boss. Je venais donc d'éviter le pire en défendant ma base. Je l'avais donc refermé et pour éviter au plus vite le représailles, je décide directement d'aller raid leur base de raid afin que je puisse m'approprier leur base. Ok les gars, je vais pas perdre plus de temps que ça. Le truc c'est qu'ils ont déjà une base, leurs tourelles sont éteintes, donc à mon avis, dans leur batterie ou dans leur conducteur, ça ne marche plus. Ouais, ça y est, leur batterie a plus de trucs. On va aller la péter, je sais pas, j'ai pris leur balle explos, on va voir. Mais au moins, parce que là c'est vraiment trop dangereux s'ils veulent me re-raid. Et en plus on pourra récupérer les deux prochaines tourelles. Donc let's go, on va les péter. Ok. On a tout. Oh, c'est de la porte de garage. Ce sera pas rentable pour moi, je pense, là. Oh, quand même. Quand même. On a de la stuff, mais... J'ai pas l'armoire, quoi. Il me faut de l'armoire. Je vais aller rechercher, je pense. Je vais aller rechercher des explos. On va péter là. Ok, j'ai l'armoire. Nice. Oh, pas mal de bois. Ok, on a pété leur armoire. On a tout. Ok, ils avaient mis deux générateurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a rien, je pense. Hein. Ils ont tout pris. Beretta quand même. Wall en bois. Et c'était surtout pour le principe. Elle coûte combien? Ouais, elle coûte que 2000 fragments de métal. Du coup, on va pouvoir la prendre. Pick up. Et hop, ça me fait deux tourelles en plus dans ma base. Parfait. Bon, et puis juste avant de déco, je décide d'apprendre le lance-roquette et la roquette. Parce que demain, j'en aurai besoin. Et j'espère passer la nuit parce que là, à mon avis, ils ont vraiment la haine contre moi. On espère et puis, ben, à demain. Le lendemain. Je m'étais rallié avec Magnum et ses mates tout en ayant toujours ma propre base. On avait juste pour objectif de raid une énorme base près de chez moi qui était on. Le problème est qu'ils étaient 3-4 co et nous aussi 3-4. En on, ça aurait été compliqué. On décide de sortir fight afin de récupérer un maximum de stuff pour notre raid, mais vous allez voir que nos plans vont être modifiés au cours de l'avancement. C'est en face, vous voulez qu'on se les fasse? On est bien, on est tous ensemble. Ouais, allez. On est que 3, hein. Il est pas là. Okay, on va à droite, on va monter sur les rochers. Magnum, tu vas te faire... Vas-y, bah un qui vient avec moi, quoi. J'ai la visu sur une personne. Hélico. Sinon on se fait l'hélico les gars, on back à la base, on se fait l'hélico. 2, 3, 3, 3.
Ils sont trois, les gars. Ils vont être en dessous. On peut les jouer, on peut les jouer si sont en dessous, on est au-dessus de la colline. Vas-y, recherche, Magdam. C'est pas son nom, go, fouille. Oh, les gars, on peut les détruire. Touché à mort. À droite. C'est lui qui tombe. 400 lolo. Looter. Looter, les gars. Les gars, on va sur l'hélico, venez, on va à la base, venez, vous avez L96. Putain, GG. Il y a encore un looter. Tu vois, mais. J'arrive. Vas-y, laisse tout open. Vas-y, t'inquiète, un peu comme tu veux. J'ai la carte. Vas-y, go, il est aggro sur moi, allez-y. Faut pas que le mec qui a l'aggro, il meurt. C'est bon, il est aggro sur nous. Il va roquette. Avec énormément. On a un aggro. J'ai destroy. Il va tomber dans l'eau, faut y aller. Tombe dans l'eau, go. Cover. Ok, ouais, deux qui restent sur, go, deux qui restent sur toi, il y a un hélico. MP5 SMG pour la dernière première caisse. Vas-y, loot l'autre. J'ai AK. Y'a quoi dans l'autre? Ah, ok. Poste 12. Ok, vas-y. Ah. Vous venez de réaliser la première étape de notre objectif. On avait les stuffs, on avait les roquettes et les explosifs. Il ne restait plus qu'à faire la base de raid et entrer dans le raid on. Peu de chance de réussite, on va tout tenter. On le fait surtout pour notre cohésion, notre jeu d'équipe pour le futur qui reste d'être encore meilleur. On perd pas de temps et on y va. Ah mais... Ils sont à 2 sur 2. Un mort. Encore un. Ne sors pas. Non mais je passe les lignes, hein. Ah je l'ai triple hit, je suis mort. Il a pris double hit, il est low. Reste à couvrir. Faut que je relie l'autre à l'autre. C'est bon, elle est mise, c'est bon. Elle est mise, allez, let's go. On va y aller. Y'a personne, je sais pas où qui campe quoi. Il est derrière le goût à droite, vraiment. Je vais balancer des smokes. T'es quand même. Go. Ils ont mine. Gros chiot. Y'a mort, c'est pas une tourelle. Sortez. Headshot, hit, très lourd. Par contre, y'en a un dans la smoke. Hein. Ça va venir dans le bac et tout, hein. Ça va être chaud. Go, faut y aller, putain, j'ai grave bien visé. Faut y aller, les gars. Vas-y, on roquette. Attends. Ah, vas-y. Restez, chacun un wall. Ouais. T'as roquette incendiaire, putain. Ah, merde, je suis à mon goal. À côté alors. My bad. Faut roquette à... À droite de vous, derrière des buissons. Faut couvrir. Putain, gros, on perd déjà un joueur, sérieux. Faut pas jouer comme ça, gros. Ça va être très difficile. Tom, t'as pas de roquette à haute velocité, là? Mais si, Steam. Balance-les sur toi. Là, gros, c'est chaud. Va couper, regardez, couvre derrière. Nous, on va gérer avec Magnum. Magnum, tu fais un tout droit. Attends, faut péter. Pète leur moulin. Putain, t'as pas écouté. Arabe. Putain, elle a traversé le moulin. Vas-y, prends pas la tête. Faites là-haut, dans le Nikon. Gros, il y a des tourelles de partout. T'es quand même couvre le bac, s'il te plaît, pour qu'on regarde pas devant. N'hésitez pas à... Ouais. Ok, Tom, il est là, on est tous là.
mourrai pas. Je vais être un peu tiré, mais c'est ce que je... Attends, à côté. J'ai wall. Désolé. J'ai plus de wall. Juste, juste un, juste un. Meurs pas, meurs pas. Il a superposé les walls comme ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi. J'étais obligé de wall. Magdom, fais gaffe. Alors Magdom, ta roquette sur le moulin, s'il te plaît. C'est bon, je le fais, je le fais. Je roquette un mec. C'est bon, allez, allez. Go, 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 go. On continue tout droit. Allez, c'est bon. On continue, c'est bon. On a des roquettes, on a de quoi. On a de quoi faire. Continue Magnum aussi, parce que... Ou passe tes roquettes à Tom. Parce que faut avancer. Ouais, ouais, t'as fait un peu bon. Parce que... Mais... C'est... Tiens. Ouais. Je vais dead, je vais dead, je vais dead. Je suis mort. Un mort. Très low, une balle. Ok, mort. GG, loot-les. Pourquoi ils sont fous, putain. Ouais, mais on a encore des roquettes à la base, mais c'est compliqué d'être des red-down comme ça. Headshot, headshot. Hit. L96 mort. Je push. On push ensemble, Deux. Prends le 96 et je t'aide. Headshot. Il est mort, nickel. Headshot, mort. Ah, il est low, il a pris une tête et deux hits. Mort. Ah, mort, d'accord. GG, t'en as eu un? Ouais, on fait. Tu back. Vers où? Derrière. Un autre sur moi. Il est mort. De la balle. Encore un. Hit, mort. Pour aller dépôt si vous êtes vraiment fou. Il a pas loot son poste. Mort. Okay. Lolo. Putain, excuse. Ouais, je t'ai mis une balle. On pêche ensemble, les gars. Mort. Lolo. Allez, on va lui mettre un petit noscope parce que je suis chaud. Mais gros, je t'ai soigné. Voilà. Mort aussi. Je suis le de fou. J'ai voulu faire le mongol. Il va lancer le bolt au sol, les gars. Lootez mon bolt, je vais lancer au sol, les gars. S'il vous plaît. Venez tuer. Couvre ma droite, je reste à gauche. Il est mort. Bon, du coup, vous avez pu voir que le raid était explosif et c'est le cas de le dire. Un raid en 4v3, des contre-raids difficiles à gérer, mais on a quand même très bien tenu. On avait usé déjà pas mal de roquettes, mais on se rendait compte que ça allait être très très difficile à réaliser. On a donc décidé de se replier, mais de continuer à fight un maximum pour à la fois récupérer pas mal de stuff, mais surtout s'entraîner ensemble. On avait pas mal d'objectifs dans le futur et il fallait que l'on ait une cohésion parfaite. J'espère que la vidéo vous a plu, je suis plus motivé que jamais à continuer les vidéos, j'ai pas mal de projets à venir et grâce à vous je peux les réaliser. Merci à tous du soutien que vous me donnez chaque jour et à chaque vidéo. Et puis bah moi je suis plus motivé que jamais comme je vous l'ai dit. Des grosses vidéos arrivent les potes et puis je compte sur vous pour liker un maximum cette vidéo et à vous abonner. C'était Raven, portez-vous bien, ciao.